chers amis auditeurs, bonsoir. Ce soir, pour le 19e volet de Fréquence Orage d'Acier, je vous parle de la guerre 14-18, puisque nous célébrons aujourd'hui le centenaire de la bataille de Verdun. Je voudrais préciser donc que le flyer qui annonce l'émission a été réalisé à l'aide d'une sculpture en résine de l'artiste Jacques Tardy, auteur de BD que vous connaissez sans doute, avec l'aide de Christian Poinsignon, donc pour la galerie Christian Desbois, en 1998, et qu'elle a servi donc à illustrer divers événements ayant trait à la guerre 14-18. Voilà, je voudrais parler avec vous brièvement, pour une émission assez courte ce soir, de la guerre 14-18 comme acte de naissance du XXe siècle. Il faut bien prendre conscience que la guerre 14-18 a été, à bien des égards, une nouveauté, une rupture avec les guerres précédentes, puisqu'elle consiste dans une levée en masse, bien sûr, comme dans les guerres napoléoniennes, une ère des... voilà, évidemment prophétisée par la suite par Ortega et Gasset, hein, cette ère des masses dont l'avènement est contemporain du XXe siècle. Également, c'est une guerre technicienne, une guerre de la technique, une guerre technique qui donnera à méditer à des penseurs aussi différents que Ernst Jünger, notre maître, puisque c'est à lui que nous devons le titre de cette émission, Fréquence Orage d'Acier. Heidegger, également le philosophe de la technique, qui parlera de l'arraisonnement du monde, je pense, plongé dans ses méditations également par les conséquences absolument désastreuses de cette guerre de 14-18, mais aussi la jeune génération des Ellul et des Charbonneau, qui sont tous les deux comptés parmi les pères de l'écologie politique. Cette guerre 14-18 sera en rupture avec les guerres précédentes du fait de son recours systématique au machinisme, à la série et à la masse. Hein, la guerre 14-18 est évidemment le fruit, dans l'ordre militaire, des découvertes, des progrès, des leçons de l'organisation scientifique du travail. Évidemment, là on assistera à l'organisation scientifique de la guerre selon les apports du planisme et du taylorisme, avec évidemment les mêmes logiques de concentration de type industriel de la direction, ainsi que la logique des hauts rendements, avec une attrition exceptionnelle et une mortalité tout à fait inédite. Tous les villages français ont payé leur tribut à cette première grande guerre industrielle. En effet, quand vous vous promenez dans les villages de France, vous verrez sur les monuments aux morts, qu'ils soient d'ailleurs décorés de coques, de têtes de poilus, de casques, ou de veuves éplorées, vous verrez les noms gravés des garçons des villages qui sont morts pendant ce premier conflit industriel, du fait même qu'ayant mis des moyens industriels au service de la guerre, eh bien, les résultats en termes de morts sont eux aussi de proportions industrielles. Aux apports de la guerre révolutionnaire, qui consistait évidemment dans la conscription de masse, dans la guerre idéologique, avec maintenant des ennemis inexpiables, hein, une hostilité inexpiable entre ennemis, qui ne sont plus seulement des homologues à qui il s'agit de faire accepter des conditions de paix pour céder tel ou tel morceau de terrain ou telle reversion de guerre. Non. Maintenant, l'ennemi, depuis les guerres révolutionnaires de 1792 et suivantes, et en particulier avec l'aventure bonapartiste, l'aventure napoléonienne, eh bien, l'ennemi devient un être à réduire à néant. Et puis, évidemment, il y a les aspects aussi de déshumanisation de l'ennemi. L'ennemi n'est pas seulement, encore une fois, un homologue qu'il s'agit de rendre à la raison, non. Il s'agit d'un ennemi absolu, d'un ennemi inhumain, qu'on déshumanise par l'effet de la propagande et par la mobilisation des populations à travers cette propagande. Vous pourrez retrouver ces éléments, par exemple, racontés brillamment par Maria Remarque dans « À l'Ouest, rien de nouveau ». Guerre industrielle, je vous le disais, guerre du rendement, guerre inexpiable, guerre des outils industriels, on s'achemine progressivement vers la guerre totale, hein, d'un auteur comme Ludendorff qui publiera en 1935, un ouvrage intitulé « De la guerre totale » et qui est un disciple de Clausewitz, hein, Karl von Clausewitz, le grand stratège allemand contemporain de Bonaparte, qui définit le modèle type de la guerre totale en parlant d'Absoluterkrieg autour de l'impossibilité conceptuelle de limiter la guerre. Cette logique de radicalisation du duel entre deux forces antagonistes, avec cette montée aux extrêmes et cette mise à disposition du conflit, finalement, de l'ensemble des ressources disponibles. Cette montée aux extrêmes, qui a été merveilleusement
théorisé par les travaux de René Girard, mort cette année, vous vous en souvenez, nous avons fait un hommage sur Fréquence Orage d'Acier, et qui est sans doute l'un des plus grands intellectuels du XXIe siècle, et qui a beaucoup travaillé sur cette rivalité mimétique qui conduit les opposants à se ressembler de plus en plus et à faire monter le niveau de tension, le niveau d'hostilité, les moyens du combat aussi, les moyens techniques du combat, qui expliquent évidemment l'illimitation en matière de moyens de ce premier conflit mondial. Hausse aussi je dirais, guerre totale au niveau tactique. Hein, cette conception héritée de Clausewitz va être théorisée et mise en œuvre par les Ludendorff et leurs éponymes dans l'ensemble des nations européennes, avec la recherche de l'anéantissement de l'ennemi, hein, qui n'est plus à vaincre, mais à écraser, à anéantir. Anéantissement pur et simple par la logique de la bataille décisive, qu'on retrouve évidemment chez Clausewitz, et qui donnera évidemment le cas école, le cas type de la bataille décisive, que sera la bataille de Verdun, donc là sur le plan strictement militaire. Même si Ludendorff donnera, hein, Eric Ludendorff donnera à cette notion théorique de bataille de guerre totale un sens beaucoup plus large, qui consiste en fait en la primauté du militaire sur le politique. Il s'agit de donner la primauté aux militaires dans cette guerre totale et donc de mettre finalement, logiquement, l'ensemble de l'énergie disponible au conflit, au service du conflit, et donc avec une certaine, finalement, comment dirais-je, invasion de l'ensemble des activités humaines par l'activité guerrière qui débouchera mécaniquement sur les totalitarismes. Si nous avons vu la merveilleuse figure du héros de la tranchée émerger pendant ces années-là, avec une renaissance des vertus héroïques dans la conscience européenne, dans le creuset des tranchées, malheureusement, les aspects plus ténébreux de ce phénomène ce seront évidemment l'émergence aussi des totalitarismes comme finalement modèle politique tiré de l'expérience de la Première Guerre mondiale. C'est là que l'on voit que cette guerre de 14-18 est véritablement un acte de naissance, l'acte de naissance de ce XXe siècle stupide, évidemment, dont l'acte central, l'acte principal des événements de 14-18, ce sera la révolution bolchévique, qui ordonnera, organisera l'ensemble de la politique mondiale pendant la suite de ce XXe siècle. Voilà, au-delà donc de ces aspects de la guerre totale, avec la levée en masse, les réquisitions, les destructions de masse aussi, qui elles aussi donnent une dimension tout à fait titanesque à ce conflit, c'est sans doute aussi la combinaison organisée par le politique de l'ensemble des moyens qui caractéristique cette stratégie totale. Hein, c'est la mise à disposition de l'ensemble de l'arrière, de l'ensemble de l'énergie, en particulier industrielle, au service du conflit, qui marque véritablement une radicale nouveauté dans ce conflit. Guerre totale par la mobilisation de l'arrière, guerre totale par la mobilisation de l'outil industriel, guerre totale aussi sur le plan géographique. Hein, on assiste à la levée en masse dans de nombreux pays d'Europe. Peu de pays en Europe échappent au conflit. Ainsi, n'assiste-t-on pas en Bulgarie à la levée de 600 000 hommes, c'est-à-dire un quart des hommes valides du pays. Le bilan de la guerre est dramatique en Europe. Près de 11 millions d'hommes sont morts au combat. 6,5 millions reviennent invalides. On peut recenser aussi le nombre énorme de morts à cause des grandes batailles portées sur le front, telles que la bataille de Verdun, qui entre février et décembre 1916 fait 3 millions de morts et 400 000 blessés. L'offensive de la Somme, la bataille de Verdun qui fait 300 000 morts, oui, et 400 000 blessés. L'offensive de la Somme qui fait 1 million de morts. Le chemin des Dames, qui entre avril et mai 1917 fait 100 000 morts seulement en 2 mois. Voilà, 100 000 morts en 2 mois, c'est considérable. Et la deuxième bataille de la Marne, qui, elle, en 1918, fera 280 000 morts. Guerre totale faite à l'homme, en réalité. L'homme devient finalement l'appendice de la machine de guerre, comme il était devenu précédemment l'appendice du haut fourneau. C'est la machine qui domine, et c'est ces réflexions aussi qui inspireront des gens comme Bernanos, plus tard, qui verra bien dans La France contre les robots, on a tout à fait affaire à ce thème de l'homme face à la domination de la technique et à la domination de la machine, qui occupera d'ailleurs aussi des penseurs, comme je vous le disais tout à l'heure, comme Ernst Jünger ou Heidegger. Ernst Jünger dans Le Travailleur, bien sûr, et Heidegger qui fera face à cet arraisonnement du monde contre lequel il s'élève, bien entendu. Ensuite, guerre totale de la guerre 14-18, bien sûr, guerre totale, guerre économique, guerre de l'arrière, je vous le disais à l'instant.
Le départ des hommes pour le front a eu pour corollaire le remplacement par les femmes. Là, vous imaginez aussi les métamorphoses sociales que cela a induit, avec le renforcement des suffragettes, les débuts du féminisme, une certaine autonomie économique qui est acquise par les femmes, qui demanderont à évidemment pouvoir travailler de manière salariée et dans l'industrie après la Première Guerre mondiale. Bien sûr, les femmes travaillaient avant, depuis la nuit des temps, les femmes travaillent, mais enfin, là, elles accèdent de manière assez démocratique au travail salarié, ce qui évidemment entraînera des bouleversements considérables. Mais cela ne sera possible que parce que l'arrière maintenant est dominé par les bras cassés, les infirmes qui n'ont pas pu se rendre à la guerre, les étrangers, les tirs au flanc qui ne se rendront pas sur les barricades, sur les tranchées, évidemment, laissent libre cours à leurs appétits sur les femmes. Abandonnées, laissées seules par leur mari, abandonnées non, mais des femmes souvent bien seules pendant que leurs maris sont au front et ils s'occupent de tout cela. Et évidemment, tout cela aura un impact psychologique considérable sur le moral de l'arrière pendant le conflit. Et plus encore, lorsque les quelques survivants reviendront des tranchées, il y aura comme une sorte de déficit moral du fait que les meilleurs sont partis les premiers, comme on dit. Évidemment, ces phénomènes sur le plan spirituel, moral, psychologique d'une nation sont absolument considérables. Sans compter que le conflit, évidemment, blesse, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque village de France a été touché, chaque famille de France a été touchée, et ce sont des bouleversements intimes, des bouleversements familiaux aussi, en très grand nombre, et qui verront des générations de garçons et de filles élevées sans père, et qui n'auront pour modèle que les tirs au flanc, les gueules cassées, les pauvres, revenus du front, mais les tirs au flanc surtout, les profiteurs de guerre, c'est toute cette faune qui peuple l'arrière et que décrit Bernanos merveilleusement, et qui ensuite sera seule à la barre d'une France bien exsangue au sortir de ce conflit. Et vous pouvez imaginer évidemment cela reproduit dans chacune des nations européennes impliquées dans la guerre. Voilà les conséquences, voilà pour une partie des conséquences de ce conflit. Ludendorff, pour revenir à ce concept de guerre totale sur le plan économique, bien sûr, impose au gouvernement l'institution d'un service de travail obligatoire pour augmenter les rendements. Hein, on importe aussi massivement de la nourriture et des matières premières, alors soit des pays colonisés, soit de pays souverains, mais qui vendent leurs matières premières aux belligérants, aussi bien le Brésil, le Mexique, l'Argentine, la Norvège, ou alors des pays appartenant au Commonwealth comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, sont également mis à contribution pour leurs immenses ressources naturelles. Et cela, évidemment, contribue à l'extension du conflit, qui lui-même se redouble dans la guerre sous-marine, puisque les Allemands vont tenter de faire un blocus économique. Et donc cette guerre de l'arrière, cette guerre de l'appareil industriel de chacune des nations belligérantes, se redouble finalement dans l'extension d'un front nouveau qui est le front atlantique par la guerre sous-marine à outrance. Voilà, on peut additionner à si voilà, ces phénomènes s'additionnent les uns aux autres et donneront bien entendu naissance à ce qu'on pourrait appeler une mentalité managériale d'entre-deux-guerres, dont on retrouvera la pensée par exemple chez certains non-conformistes des années 30, avec les planistes, les cyclistes, X-Crise et autres. Mais on assiste surtout à l'émergence de cette nouvelle catégorie de cadres que sont les managers. Les managers qui prospèrent aussi bien dans l'Union soviétique de Staline que dans le fascisme mussolinien ou dans le socialisme rooseveltien. Hein, c'est un petit peu la nouvelle figure qui domine ce début de siècle, figure tout à fait bien portraitisée par Rizzi dans son livre sur la collectivisation du monde, reprise largement par Burnham dans son ère des managers, son ère des managers qui sera cité favorablement par Orwell. Et on voit bien que finalement c'est un des traits distinctifs de cette guerre et de cette époque, c'est l'avènement finalement de la technocratie. Bernanos, je vous le disais à l'instant, parlait très défavorablement de l'arrière, avec un A majuscule, comme on parlerait d'un monstre d'ailleurs. L'arrière, elle aussi, n'échappe pas à cette guerre totale. Elle est elle aussi mobilisée par le biais de la censure, de l'action psychologique, de la propagande, par l'utilisation systématique de la propagande auprès des populations, par voie de presse bien sûr, mais dans les écoles également. Et puis l'avènement aussi de médias nouveaux, la radio bien sûr, la radio qui est
le média phare de l'époque. Les gouvernements d'union nationale aussi, qui témoignent là aussi d'une mobilisation de l'ensemble de la nation par la constitution de gouvernement d'union nationale, auquel n'échappent pas d'ailleurs les démocraties, ainsi qu'à l'arrestation de défaitistes, l'embrigadement idéologique hein, par le bourrage de crâne, ou encore par la prise de mesures d'exception, la répression de grèves, de manifestations ou de dissensions, je dirais, dans l'ordre de la presse. Voilà, donc ce sont tous ces phénomènes aussi qui se conjuguent. La Première Guerre mondiale est aussi une guerre qui va relancer la mondialisation. C'est une guerre mondiale, bien entendu. C'est une guerre mondiale dans le sens où elle va s'étendre à l'ensemble des territoires qui ne sont pas des territoires des belligérants. Je vous le disais à l'instant. Les pays colonisés, les pays du Commonwealth vont être mis à contribution pour ce qui est des matières premières. Mais également, on va voir l'irruption de nouveaux acteurs, les États-Unis qui entrent dans le conflit en 1917 et le Japon qui, lui, y entre dès 1914. Cette relance de la mondialisation par le biais de la Première Guerre mondiale n'est évidemment pas le fruit du hasard parce que certaines sociétés secrètes, certains réseaux de pouvoir vont chercher en fait à profiter de ce conflit afin d'imposer de nouvelles synthèses dont on verra la traduction politique principalement dans les principes wilsoniens qui présideront juste au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ensuite, cette guerre mondiale préside aussi au recul du monde blanc. Hein, ce sera l'acte initial d'un réveil du monde colonial, du monde de couleur, avec évidemment la naissance de nouvelles puissances en devenir, telles que le Brésil. On voit le réveil aussi de l'ensemble de l'Amérique ibérique, du Mexique jusqu'au Chili, mais aussi un certain réveil asiatique avec en particulier la Chine en pointe de mire. Je pense ici aux différents conflits et agitations qui vont participer de ce réveil chinois et de ce réveil asiatique plus largement. La Première Guerre mondiale, c'est aussi la mise en route d'un certain paysannicide, le début de cette guerre en temps de paix menée au monde de la paysannerie, avec tout d'abord la reconversion des industries de guerre en industrie agricole, avec bien sûr les tanks qui deviennent des tracteurs, les explosifs qui deviennent des engrais, les barbelés qui sont recyclés pour contenir le bétail et non plus des prisonniers de guerre ou pour agrémenter les tranchées. Et évidemment, ce bombardement, cette reconversion des industries de guerre se traduit par un véritable bombardement de la terre en temps de paix par les phosphates qui expliquent en très grande partie évidemment les problèmes actuels, les problèmes de santé publique très graves qui ont pour cause principale la dégradation continue de la qualité alimentaire du fait de ces reconversions industrielles de guerre vers des industries agricoles. Si vous trouvez que mon propos est trop radical et pas assez étayé, je vous renvoie aux travaux du couple Bourguignon. De Claude Bourguignon et de sa femme Lydia, mais également au très beau film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global. La guerre 14-18, c'est surtout un moment de rupture, mais aussi des continuités. Bien sûr, la guerre 14-18 est à la fois la dernière guerre napoléonienne, mais elle est aussi la première guerre moderne. La première guerre moderne mettant en jeu justement. C'est cette guerre totale, donc cette mobilisation de l'ensemble de l'arrière, de l'ensemble des moyens disponibles, de l'outil industriel, des populations, je dirais même des dépendances coloniales ou du Commonwealth britannique, avec aussi des théâtres secondaires comme l'opération anglaise auprès des nations arabes, des tribus arabes, pour les soulever contre leur maître turc. C'est l'ensemble du monde civilisé qui est concerné par ce conflit, et c'est une chose tout à fait inédite, évidemment, tout à fait nouvelle, et c'est en ce sens que ça marque un tournant. Mais c'est aussi pour les Européens, et pour la jeunesse européenne en particulier, un tournant manqué. Je veux dire par là que cette génération de jeunes gens qui est partie mourir dans les tranchées, était destinée à un autre avenir. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si l'Europe avait perdu le contrôle de son véhicule et qu'elle était partie dans le décor. Cette jeunesse a été véritablement brisée par cette guerre. Je pense ici, comme cas tout à fait exemplaire, à Maxime Réal-Delsarte, qui était le premier camelot du roi,
qui était un brillant sculpteur, qui a perdu sa main pendant la guerre 14-18 et qui, au retour des tranchées, est devenu, lui qui était un sculpteur d'avant-garde, une sorte de sculpteur assez pompier, encore que ses œuvres soient très belles. D'une certaine façon, il s'est fait un devoir de maintenir allumée la flamme du souvenir des gars de 14. Alors qu'il était promis à une rénovation du monde, à apporter, cette génération était promise à apporter sa propre contribution à l'histoire française et européenne, et bien d'une certaine façon, cet élan a été brisé par cette guerre. Et même si je n'aime pas la politique fiction, je me pose souvent cette question, et je vous la pose à vous, chers amis auditeurs, que serait devenue l'Europe, que serait le monde d'aujourd'hui si cette guerre n'avait pas eu lieu? Pour approfondir ces quelques réflexions jetées un peu dans le désordre à votre attention, chers amis, je vous recommande la lecture du très important ouvrage de Dominique Venner, publié en 2006, Le siècle de 14. Dans cet ouvrage, vous trouverez de nombreuses pistes de réflexion justement sur ce stupide XXe siècle, voir comment il est né dans ce creuset, dans ce chaudron des tranchées, aussi bien l'expérience bolchévique, la renaissance des valeurs héroïques, la montée des périls, le totalitarisme. Et je dirais l'ensemble des utopies et des illusions qui sont nées et qui sont aussi mortes dans ce conflit. L'une d'entre elles qui a été absolument déterminante, c'est évidemment l'idée de progrès. Elle aurait dû décéder, pardon, dans la tranchée, mais il n'en a rien été. Cette idée de progrès qui promettait depuis les Lumières du XVIIIe siècle, depuis Voltaire, d'Alembert, Diderot. Ces lumières qui nous promettaient le progrès social, le progrès économique, le progrès moral, le progrès humain, en parallèle de l'évolution du progrès technologique et scientifique, cette idée a survécu à sa propre mort en 14-18. Je crois que plus encore que l'expérience concentrationnaire, qu'elle soit d'ailleurs nationale-socialiste ou soviétique, plus encore que Hiroshima, la guerre 14-18 marque véritablement le pas de l'idée de progrès. C'est à ce moment-là que l'on a pu se rendre compte, véritablement, je dirais, de nos propres yeux, que le progrès technoscientifique n'était pas gage de progrès économique, de progrès humain, de progrès moral. Très loin de là. La guerre 14-18, c'est aussi l'acte de naissance de toutes ces utopies, de ces illusions qui marqueront l'ensemble du XXe siècle, et c'est pour élucider cette époque qui, pour nous, est tout à fait décisive. Si nous avons choisi d'intituler notre émission Orage d'acier, chers amis et camarades, vous imaginez, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que nous croyons profondément que c'est à ce moment-là que s'est rompu un certain fil d'Ariane. C'est à ce moment-là qu'est rompu un certain lien qui nous unit à nos grands-parents. Par-delà la génération des Trente Glorieuses de nos parents, par-delà la génération de nos grands-parents qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'est à ce moment-là que nous avons perdu le fil de notre destin. Et c'est pour ça que nous ne faisons plus chaque année qu'une seule commémoration, qui les rassemble d'une certaine manière un peu toutes, et que nous avons choisi pour cela la date du 11 novembre. 11 novembre pour le 11 novembre 1940, premier acte de résistance à l'occupation allemande en France. Acte, premier acte de patriotisme de la jeunesse française contre l'occupant allemand en 1940. 11 novembre aussi parce que c'était la date de souvenir de nos aïeux morts dans les tranchées de 14-18 qui, d'une certaine façon, récapitule l'ensemble des guerres pour l'indépendance de la patrie. Malheureusement, cette guerre n'a pas mis fin au péril qui pesait sur la France. Au contraire, elle date plutôt. Elle marque plutôt, c'est plutôt la pierre blanche qui marque la date du début de notre déclin comme nation française, déclin démographique, je vous en parlais tout à l'heure, quand on voit que c'est l'arrière avec ses valeurs tout à fait spécieuses et spéciales de cet arrière, c'est-à-dire le lucre, l'envie, la couardise qui domineront l'entre-deux-guerres et qui ne cesseront finalement d'être le coin auquel sera frappée les décisions politiques de cette France qui ne sait plus où elle habite. La guerre 14-18, d'une certaine façon, vient mettre un dernier clou, coup de mettre le dernier clou sur le cercueil de cette France qui
comme l'ensemble des nations européennes d'ailleurs, est dans un très grand trouble identitaire, dans une très grande insécurité identitaire, du fait de la Révolution française, bien sûr, qui l'a privé des institutions qui lui étaient coutumières, qui étaient traditionnelles, et depuis lors, le désordre dans les institutions. Insécurité identitaire aussi du fait de la culpabilité. On ne cesse de culpabiliser l'histoire de France comme si elle était l'astre noir de l'humanité. Il n'en est rien, bien sûr. Insécurité identitaire, insécurité de la transmission, crise de la transmission dans tous les domaines, dans le domaine du patrimoine, des patrimoines des familles qui sont spoliés par un niveau d'imposition absolument hallucinant. Transmission de l'identité, mise à mal par l'immigration, le métissage et la déroute de l'école. Déroute de la transmission de notre patrimoine littéraire et spirituel par la déchristianisation et l'illettrisme. Par la déculturation, par le règne de l'ignorance. Eh bien, toutes ces crises de la transmission, je crois qu'elles prennent d'une certaine manière leur envol au moment de cette guerre 14-18. Les choses ne font plus que se dégrader, elles craquent sous leur propre. La société française craque sous ses propres contradictions à compter de ce moment-là, qui est véritablement une date butoir. Voilà pour ce qui était de ces analyses de la guerre 14-18. On va faire une pause musicale et puis après, je vous donnerai quelques références très brièvement en matière d'ouvrages, de films et de bandes dessinées. À tout de suite. Nous allons écouter Soldat Louis, Le Chemin des Dames. Que je m'en aille, on me dit de prendre les armes pour je ne sais quelle bataille conscrivent les gendarmes. Je te confie la marmaille, ta mère qui est déjà en larmes. Prends bien soin du bétail, ta petite qui te fait du charme. Ça chantait la guerre, ça sonnait du clairon, la patrie terre de nos pères et la chair à canon. Ma bandoulière, sans la mort et le plomb, mourir pour une frontière, des deux côtés c'est con. Je me vois pas très à l'aise, alignant un teuton, hurlant la Marseillaise, abreuvant ses sillons. Ça chantait la guerre, ça sonnait du clairon. J'entends les balles, je tire en fermant les yeux. Les ordres du général sont bien plus que douteux. Je veux pas du chemin des dames, alors je te dis adieu. Je serai passé par les armes de France et courageux. Ça chantait la guerre, ça sonnait du clairon. La patrie terre de nos pères et la chair à canon. La patrie terre de nos pères et la
Après Soldat Louis, le chemin des dames, qui chante nos héros de cette bataille absolument homérique, je voudrais vous donner quelques références en matière de lecture de films et puis une BD, enfin une série de BD aussi, qui je pense vous pourra constituer une première piste, hein, chers amis. Ce choix est tout à fait arbitraire, bien sûr, et il n'est pas du tout exhaustif, vous l'imaginez bien. Bien entendu, aucune exhaustivité dans ce choix, uniquement quelques pistes pour vous mettre en jambes, pour vous donner un petit peu d'appétit, pour ceux qui voudraient s'intéresser à cette époque absolument fondatrice pour nous, et avec laquelle, comme je vous le disais avant la pause, il s'agirait de renouer le fil d'Ariane pour reprendre en main notre destin européen. Le premier livre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lire l'important ouvrage de Dominique Vénère, Le siècle de 14 de Dominique Vénère, donc publié en 2006. Vraiment important. Le deuxième, à Seigneur tout honneur, bien sûr, c'est Orage d'acier d'Ernst Jünger, c'est son journal de guerre, c'est l'ouvrage qui le rendra célèbre aussi, bien sûr. C'est son ouvrage de guerre comme jeune dans les tranchées de 14-18. Avec une méditation sur la guerre comme expérience intérieure. Ensuite, je vous encourage à lire et à découvrir le Jünger français, c'est ainsi que certains l'ont intitulé, qui s'appelle René Quinton. René Quinton est né à Chaumes, en Seine-et-Marne, le 15 décembre 1869. Il était capitaine d'artillerie de réserve et dans sa 48e année, donc le 1er août 1914, la mobilisation le surprend. Et il demande à être rappelé donc à l'activité sur sa demande, alors qu'évidemment il n'était plus rappelable. Vous imaginez bien, 48 ans, c'est très âgé pour faire de vous un poilu. Il a servi au 29e régiment d'artillerie, au 1er régiment d'artillerie à pied, au 10e régiment d'artillerie, au 118e, 318e, 338e, 452e régiment d'artillerie lourde dans la deuxième partie de la guerre, et il a donc été nommé lieutenant-colonel à titre définitif le 26 mars 1919, démobilisé le 3 juillet 1919 de la même année. Et il a écrit donc cet ouvrage absolument merveilleux qui met bout à bout des réflexions, des méditations, des aphorismes. C'est beaucoup de phrases très courtes, très nerveuses, avec un style très dépouillé, très tacite. Sur cette expérience de la guerre comme expérience intérieure, de la guerre notre mère, disait Jünger. C'est pour cette proximité stylistique et d'approche, je pense qu'on parle de lui comme du Jünger français. Alors je vais vous donner lecture de quatre ou cinq de ses maximes pour vous donner envie de le lire, mais sachez quand même malgré tout que bon, ces maximes du capitaine Quinton ne s'adressent pas au grand public, elles s'adressaient surtout à ceux qui ont vécu cette expérience de la guerre comme une expérience bouleversante, une expérience intérieure. Voilà pour quelques-unes de ses maximes. Il écrit: La force qui pousse les hommes au feu est une des plus puissantes du monde. Elle domine celle qui les pousse à l'amour, et il est peu d'amour sur la terre pour lesquels on soit prêt à mourir. L'amour du pays en est un. L'égoïsme et le faux calcul. La guerre rappelle soudain aux hommes qu'ils ne sont point nés pour eux-mêmes. Il écrit encore ailleurs: Les êtres ne sont beaux qu'en amour et à la guerre, parce que le dévouement et l'abnégation sont les deux vertus de l'amour et de la guerre, et les assises de la beauté morale. La guerre donne aux hommes la beauté morale que la maternité donne aux femmes. L'amour de soi dirige les hommes, mais l'amour d'autrui dirige les héros enfin. Voilà, vous voyez, c'est très nerveux, c'est très sec. Le vent, lorsqu'on est en compagnie de Quinton, souffle parfois très fort. C'est vraiment une lecture bouleversante à laquelle, chers camarades, je vous encourage. Pour ce qui est des ouvrages, des essais ou des romans, je vais vous les citer en vrac. Je vous recommande Les Croix de bois de Roland d'Orgelès, de Blaise Cendrars, La main coupée, La comédie de Charleroi de Pierre Drieux-La Rochelle, L'été 1914, Roger Martin du Gard, Ceux de 14 de Maurice Genevoix, Journal d'un poilu d'Henri Laporte, Propos d'infanterie de Pierre Macorlan, je le dédicace à notre ami Pierre, souvent à la technique de nos camarades de Méridien Zéro. L'adieu aux armes d'Ernest Hemingway, bien sûr, pour ceux qui lisent en langue anglaise, encore qu'on trouve de très bonnes traductions. Les sept piliers de la sagesse de T.E. Lawrence, qui raconte son expérience avec les tribus arabes contre le pouvoir ottoman.
Ouvrage intéressant, encore que plein d'inexactitudes. Laurence d'Arabie avait tendance à se peindre toujours favorablement. Enfin, Joseph Kessel, L'équipage, une très belle nouvelle, très kesselienne, toujours écrite à la pointe sèche, avec ses très beaux portraits qui ressemblent un petit peu à des Durer. Encore que Kessel a aussi un style très coloré, toujours très vivant, toujours très bon dans le récit court. Ce court roman, L'équipage, raconte l'histoire d'une équipe d'aviateurs français. Également, plus récemment, donc de Marc Duguin, La Chambre des officiers, hein, pour les années 90-2000, ou pour vous, mesdemoiselles, j'ai pensé à Alice Fernet, Dans la guerre, publié chez Actes Sud en 2003, ou bien encore Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles, qui, comme La Chambre des officiers, a aussi été adapté au cinéma. Enfin, en bande dessinée, l'ensemble des Tardis qui traitent de la Première Guerre mondiale, par exemple Le Trou d'Obus, publié en 1984 de Jacques Tardy, plus tard C'était la guerre des tranchées chez Casterman, ou encore La véritable histoire du soldat inconnu chez Futuropolis, toujours par Tardy, avec sa réédition revue et augmentée, donc chez Futuropolis, La bascule à Chariot, et La véritable histoire du soldat inconnu, republié en 2005. Ainsi qu'un album intitulé Putain de guerre 1917-1919, ton long texte et photo historique, en compagnie de Jean-Pierre Vernet. Pour ce qui est du cinéma, je vous donnerai quelques titres rapides, encore qu'ils aient été l'objet de critiques très acerbes d'une partie de nos camarades. Vous pouvez regarder bien sûr les Sentiers de la gloire de Kubrick, qui selon moi est absolument un chef-d'œuvre traitant de la guerre 14-18. Capitaine Conan, qui traite d'aspects plus secondaires, moins importants que ce qui était traité évidemment de manière plus contemporaine dans les œuvres de fiction de la guerre 14-18, puisqu'il parle des mutineries. Alors c'est évidemment un sujet polémique, certains y verront de la démoralisation, je ne crois pas, je pense qu'il faut pour chaque époque rendre un témoignage le plus objectif possible, n'est-ce pas? La vérité nous rendra libres, donc ça ne sert à rien de cacher sous le tapis. Tel ou tel élément qui nous gêne, je crois qu'il vaut mieux aborder les choses franchement. Le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts. Ça ne sert à rien de tomber dans une forme de repeindre dans des couleurs plus favorables des époques passées. Au contraire, je crois qu'il vaut mieux en sortir l'ensemble des faits avec le calme et le recul que nous donne le temps. En effet, la Première Guerre mondiale, vous le savez, a inspiré de nombreux romans, bandes dessinées, pièces de théâtre, œuvres poétiques et films. Hein, on estime à plusieurs milliers le nombre de poèmes écrits chaque jour par les combattants pour leurs proches. Et les sujets importants de l'époque, au sortir de la guerre, c'était bien sûr les conséquences sociales, politiques, psychologiques de cette guerre, notamment les troubles comportementaux. On pense ici à la peinture, par exemple, d'Otto Dix, de la nouvelle objectivité allemande, ou l'expressionnisme allemand, un certain dadaïsme aussi. Mais enfin, plus récemment, des auteurs, des romanciers, des cinéastes se sont intéressés aussi à des aspects plus secondaires, plus marginaux, parfois plus polémiques, mais qui n'en sont pas moins réels, comme les mutineries et les fraternisations. Voilà, Capitaine Conan, c'est ce cas-là. Vous pouvez regarder un très beau film sur les mutineries de 14, où un soldat, pardon, refuse d'endosser le pantalon de garance d'un mort. Il refuse de dépouiller un de ses camarades morts au combat pour respecter le règlement, ce qui le conduira à être jugé pour désobéissance devant le feu de l'ennemi. Toutes choses qui évidemment se sont produites parce que vous n'imaginez pas des millions de morts comme on a produit ce conflit qui soient toutes des morts justes. Évidemment, il y a eu beaucoup de bêtises, beaucoup de sottises et beaucoup d'idioties militaires, tant sur le plan stratégique, tactique que sur le plan du commandement. Et je ne vois pas pourquoi on maquillerait cette réalité. De la même manière qu'il y a une réalité beaucoup plus belle, elle, qui est traduite en film. Dans ce très très bel opus qui s'intitule Joyeux Noël, où l'on voit les scènes de fraternisation de Noël entre différentes troupes là britanniques et autrichiennes, je crois. Des scènes qui se sont produites véritablement, d'ailleurs qui ont été censurées par la censure de l'époque, où l'on voit malgré tout, malgré le sens et le service de la nation qu'avait chacun de ces combattants, qui n'étaient ni des tirs au flanc ni des lâches.
mais qui, dans un moment de grâce, ont retrouvé en effet les seuls vrais universaux que sont l'amour et la foi. Voilà, chers amis, c'était Orage d'Acier, volume 19, et je vous le dis une fois de plus, si c'est votre premier soir, vous devez combattre. Écrase le fond d'un mer ou sur les bataillons. Les colonnes en marche m'appellent les routes, convergent vers l'enfer de la ligne de front. La vape à l'horizon, dans l'étrange brouillard, qui se noie et s'élève en colonnes grisâtres, levées par les shrapnels, trouées du tir des chars. Mais c'est là-bas bientôt qu'il va falloir se battre. Baïonnette au canon et la rotopie. La peur de la nation part à la boucherie. L'échange de drapeaux qu'on donne encore au sabre, pour la beauté vieillie des anciennes batailles. Le galop des cimiers, les chevaux qui cabrent, sont réduits à néant par la lourde mitraille. Face au nom de Jésus, protégez nos armées, hurlez ton capitaine au bras plein de bandages. Quel élément sonore, ce bel officier, dont l'explosion brutale arracha le visage. Baïonnette au canon et Marseille aux lèvres. Voilà près du Léon, c'est l'on se la relève. On est morts déjà, les prochains sacrifiés.